عن تصويت ابناء الجالية الجزائرية بالخارج، صوت من المهجر لأجل الوطن. كما سنتحدث أيضا عن دور حاسم للجالية الوطنية أو للجالية الجزائرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كل هذه نقاط وأخرى سنناقشها مع السيد نصر خباط، رئيس حركة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. مسيو خباط، بونجور et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous. Merci. Assalamualaikum. Merci. Alors que les résidents algériens à l'étranger commencent à voter aujourd'hui, quelle importance revêt cette élection pour les enfants de l'Algérie? Une importance majeure et déterminante pour la continuité du projet, du grand projet algérien, j'oserais dire, car aujourd'hui, toute la communauté nationale résidente à l'étranger dans le monde est impliquée dans ce projet qui, aujourd'hui, je crois, se traduit par une volonté de participer de manière citoyenne en allant voter, en étant citoyen pleinement conscient que l'Algérie aujourd'hui, la patrie algérienne, a besoin de ce vote pour consolider la politique sociale, économique de notre pays qui prend le chemin de la victoire. Et nous sommes tous conscients ici que notre vote est un appel finalement à poursuivre cette belle évolution que notre Algérie a depuis déjà plusieurs années. Et je crois qu'ensemble, nous devons être conscients que cette élection relève d'un enjeu primordial pour l'avenir de nos enfants. Très bien. En parlant toujours des élections, comment percevez-vous l'engagement des Algériens résidant en France, des Algériens de France, dans ce processus électoral? Écoutez, c'est un engagement qui se traduit par un engouement important, il faut le rappeler, on peut le dire humblement, hein, d'une manière objective. Le président Delmedjed Tebboune a redonné sens, finalement, à la nation algérienne avec tous ses enfants, où il se trouve. Il a redonné le sourire à cette nation algérienne, là où elle se trouve. Il a redonné l'espoir aussi à la communauté nationale résidente à l'étranger, car pendant trop longtemps, nous avons été oubliés, et je crois que nous devons rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire que le président Delmedjed Tebboune a redonné le sens de la citoyenneté, de l'appartenance à la nation algérienne, car, nous le répétons, nous avons et nous sommes tous ces enfants du 1er novembre 1954. Et je crois que nos générations à venir sont conscientes que cette histoire algérienne est profonde et qu'à travers une politique d'engagement citoyen, le président Delmedjed Tebboune nous a redonné cette force de pouvoir dire ensemble, où que nous soyons, nous sommes fiers d'être algériens et nous sommes citoyens algériens à part entière. Très bien, parlons à présent de la participation électorale de la diaspora algérienne qui a été, si je puis dire, qui a été timide par le passé. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette situation et qu'est-ce qui a été fait cette fois-ci pour y remédier et pour assurer une forte mobilisation? Non, oui, effectivement, vous avez raison. Enfin, il y a eu quand même des moments où les citoyens algériens du monde se sont mobilisés. Rappelez-vous en 92, rappelez-vous quand l'Algérie traversait une crise sans précédent politique, ils étaient présents. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même une déclinaison de l'action politique et de l'action citoyenne sur certaines périodes. Et aujourd'hui, il y a un renouveau, car je crois que le fruit d'un engagement citoyen, c'est d'abord le fruit d'une prise en considération de la communauté nationale. De la communauté nationale résidente à l'étranger. Et je me répète, mais c'est très volontaire, je crois qu'on se sent citoyen à part entière lorsqu'on est pris de manière complète comme en considération dans le projet politique national algérien. Et je crois qu'aujourd'hui, les appels politiques, les discours politiques, les gestes politiques, les gestes forts politiques que le président Delmedjed Tebboune a semés depuis son arrivée en décembre 2019 sont aujourd'hui le fruit d'un engagement citoyen plus marqué, plus remarqué et plus engagé de la part de la communauté nationale des ressortissants, car nous nous sentons appartenir à cette nation, car nous savons que le projet dans lequel nous sommes appelés à participer est aussi notre projet, et je crois que c'est la force du discours politique de Delmedjed Tebboune. Il a pu redonner, ressouder la communauté nationale, car notre histoire nous a montré que notre force réside principalement dans notre capacité à nous unir. Je crois que le défi de cette citoyenneté où nous sommes tous unis est un défi qui est important et que nous relevons ensemble aujourd'hui à travers ce vote qui va se passer pour nous entre le 2 et le 7 septembre. Très bien. Pendant cette période, comment le mouvement de la communauté algérienne résidant en France s'organise-t-il pour encourager le vote d'une part et sensibiliser les citoyens quant à l'importance de ces élections? Alors, je vous rappelle que la racine de cet engagement citoyen sur l'élection présidentielle à laquelle nous sommes invités aujourd'hui a commencé précisément le 25 mai dernier depuis Alger, où une forte délégation a été reçue
par des institutions algériennes importantes. Et nous avons, depuis le 25 mai, lancé ce slogan qui a fait le tour des réseaux, qui a fait l'opinion dans les réseaux. J'aime Bledi, j'irai voter. Nous pouvons, et je remercie ce jour, aujourd'hui, que des personnalités telles que M. Mahrez Namari, notre membre d'honneur, telles que Hassib Abou Makra, telles aussi que l'ex-champion olympique Azdine Brahmi, ont lancé depuis Alger, depuis le 25 mai, ce slogan qui aujourd'hui a pris écho. Des personnalités ont balisé et ont pris écho de ce slogan qui a fait son chemin et qui a pris faire prendre conscience finalement que l'action commune partagée autour de la citoyenneté est importante et que le slogan J'aime Bledi, j'irai voter est purement simple mais il part du cœur. C'est-à-dire c'est une Algérie qu'on aime, qui est acquise, mais qui en réalité doit se traduire par un vote. Et le J'aime Bledi, j'irai voter est un acte d'amour qui se traduit dans une citoyenneté. Et dans les réseaux, dans les émissions de radio, dans les meetings, sur les marchés, nous sommes allés au contact, au corps à corps avec les citoyens algériens pour leur rappeler, pour leur expliquer, pour les faire adhérer finalement à ce projet citoyen qui nous est cher. Et ensemble, je crois que ce travail va porter ses fruits. Et ensemble, nous pouvons dire aujourd'hui avec beaucoup d'humilité que le MUDAF a humblement contribué à faire en sorte que la visibilité de ce mandat électif soit bien représentée. Très bien. Certains candidats ou les trois candidats ont mentionné des mesures spécifiques pour la diaspora dans leur programme. Quelles propositions, selon vous, sont les plus pertinentes et nécessaires et aussi pour la communauté algérienne en France? Écoutez, j'aimerais vous dire que les trois candidats ont des vues convergentes, mais que déjà dans les actes en bilan, le principal pour moi, c'est que le président Abdelmadjid Tebboune a mis dans son discours politique depuis le décembre 2019 à réintégrer la communauté nationale des étrangers et la communauté des Algériens vivant à l'étranger. Ça, c'est le principal, finalement, c'est le principal sujet politique et le principal message politique. Car au-delà de rendre plus facile l'accès au voyage, au-delà de pouvoir voyager sans visa, au-delà d'avoir la possibilité d'être attaché à la Caisse nationale de retraite algérienne, au-delà de faciliter aussi l'acquisition pour les primo-accédants, au-delà d'inviter la communauté à investir pour les acteurs économiques, au-delà de tout ça, c'est d'abord et avant tout le discours politique qui a été encadré et remarqué par la communauté que le discours d'Abdelmadjid Tebboune nous a profondément interpellé. Et je crois que la continuité de ce discours doit se valider dans un second mandat. Pourquoi? Parce que la jeunesse est prête, la jeunesse de la diaspora est prête, les acteurs économiques sont prêts, et aujourd'hui nous devons transformer cet essai d'une politique qui a été précise, qui a été engagée, qui a été assumée par le président Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat qui permettra justement de valider cette politique et de consolider vers le chemin de la victoire la participation massive de la communauté nationale et de la diaspora au développement du pays. Très bien. Pensez-vous que les candidats ont suffisamment pris en compte les préoccupations de la diaspora dans leurs discours et programmes? Que souhaiteriez-vous voir davantage mis en avant? J'oserais vous dire que j'ai quand même trouvé timide, je vous le dis, pour certains candidats, je ne veux pas être partisan, mais quand même timide, parce que je crois que le dossier de la communauté nationale établie à l'étranger est un dossier de plusieurs millions de citoyens, et je crois qu'on ne peut pas s'improviser un mois avant d'un programme électoral une sensibilité à la question de la diaspora qui se pose tous les jours. Je crois que ce qui est le plus important, cette question me donne l'occasion de vous répondre de manière claire. Ce qui est le plus important, c'est que la communauté nationale, cette diaspora forte de plus en plus de millions de personnes aujourd'hui, a une mission citoyenne d'avant-garde. Nous sommes tous des ambassadeurs de cette Algérie. Cette Algérie qui a des amis et cette Algérie qui a aussi des ennemis. Et nous sommes tous quelque part une extension de l'Algérie, de notre histoire, de notre vaillante histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, là, l'État algérien doit prendre en considération que cette diaspora ne peut rester plus longtemps sans structuration plus forte, plus marquée, plus remarquée. Nous serons efficients, nous serons pratiques, nous serons des postes avancés de la citoyenneté algérienne et une garde de la citoyenneté algérienne si nous sommes structurés. J'en appelle au prochain président de la République, par la force qu'il devra avoir et mettre dans la possibilité de structurer qui fait l'envie de plusieurs pays. Et je crois que l'Algérie a aussi ce joyau de la diaspora qui a toujours été présente dans la guerre de révolution, toujours été présente dans la relation entre le pays et la mère patrie. Je crois qu'aujourd'hui, la communauté est disposée, est prédisposée et dans l'attente d'être structurée pour donner encore plus finalement, plus d'apport à notre pays qui nous est cher. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Monsieur Rabat, et merci pour cette intervention. Merci. J'en prie.